Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de Medal of Honor Airborne. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est Benoît, vous l'aurez compris, je pense, hein, c'est logique, je pense qu'on n'a pas cliqué sur la vidéo sans savoir sur qui vous cliquez, sauf si vous êtes sur la chaîne pour la première fois, et dans ce cas-là, bah, je vous souhaite la bienvenue, évidemment. Voilà donc, résumé de l'épisode précédent. Alors avant de faire le résumé, avant, je tiens... avant tout, j'ai dit trop fort le mot avant, ça va pas. Je tiens avant tout à m'excuser parce qu'en fait, j'y ai eu beaucoup de problèmes avec l'épisode 6 de Medal of Honor Airborne, vous l'avez peut-être remarqué. C'est que en fait, j'ai dû republier la vidéo 6 ou 7 fois. C'était un vrai calvaire, j'en pouvais plus. En gros, en fait, quand je publiais la vidéo, c'était un bug très étrange. Hein. Je l'ai vite fait déjà expliqué dans un live, mais je le réexplique pour vous. En fait, c'était un bug très étrange, je comprends pas le délire. En gros, mon fichier vidéo était prêt. Je le publiais sur YouTube. Tout allait bien, il était sur YouTube en ligne, en HD et tout ça. Et le lendemain, ou quelques heures après, ça dépend, eh bien la qualité était complètement moisie. La HD était toujours activée, mais la vidéo était complètement pixelisée. Du moins, seulement pour le début de la vidéo. Après, ça revenait à la normale, c'est très étrange. Et du coup, bah, vous aviez vraiment genre un quart de vidéo qui était complètement dégueulasse. Et je ne pouvais rien y faire car j'avais beau supprimer et republier la vidéo plein de fois, ça faisait toujours la même chose. J'ai même vérifié, ça venait pas de mon fichier vidéo, vu que j'ai même tenté de le compresser avec un autre logiciel, j'ai même tenté de modifier le format du fichier, ça faisait toujours la même chose. À mon avis, ça vient d'un bug de compression YouTube, je m'étais renseigné sur des forums. J'étais pas le seul à avoir eu ce problème, hein. Il y avait également la chaîne Culture Gaming, que je remercie de m'avoir beaucoup aidé, car ils ont essayé de m'aider à trouver une solution, parce que eux avaient trouvé une solution au problème qui était identique sur leur chaîne. Et du coup... voilà, ils m'ont aidé, mais malheureusement, l'astuce qu'ils m'ont donnée n'a pas vraiment fonctionné. J'ai dû un peu chipoter pour réussir à corriger le problème. Au final, l'astuce que j'ai trouvée pour pouvoir vous publier l'épisode 6 et qui reste en bonne qualité, eh bien, c'est tout simplement de changer la luminosité de la vidéo. Donc, vous avez peut-être remarqué que l'épisode 6 de Medal of Honor Airborne est plus sombre que les autres. C'est normal et j'en suis désolé. Il est un petit peu plus sombre. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Si vous ne l'avez pas remarqué, tant mieux pour vous. Mais il est plus sombre, croyez-moi, si vous allez jeter un coup d'œil, vous le verrez direct, il est vraiment plus sombre. Alors du coup, j'ai un peu peur, c'est que cet épisode-ci me reproduise le même scénario. C'est-à-dire qu'il bug à chaque fois que je le republie, que je vais devoir encore me casser les cheveux. J'allais faire une expression entre casser les couilles et arracher les cheveux, c'est magnifique ça. Bref, que je ne dois pas m'arracher les cheveux à réussir à publier cette vidéo encore comme pour l'autre, parce que ça m'a gavé pendant une semaine, donc j'espère que voilà, j'espère que ce n'était qu'un accident et que ça ne se reproduira plus, donc j'espère que cette vidéo-ci se passera bien. Normalement, si la vidéo vient d'être publiée depuis très peu de temps, c'est sûr qu'on n'a pas de problème, mais au bout de quelques heures, elle bug, voilà. Donc si jamais vous voyez qu'il y a un bug et que la vidéo a été publiée bah, plusieurs heures après la publication, eh bien... signalez-le-moi si vous voyez qu'il y a un bug de pixelisation bizarre sur une partie de la vidéo. Signalez-le-moi et dans ce cas-là, ben, je supprimerai la vidéo et je la republierai ben, avec encore une fois un filtre plus sombre. Écoutez, vu que ça avait l'air de fonctionner, pourquoi ça fonctionnerait pas? Voilà, bref, c'était l'annonce, là, je suis désolé. Mais il fallait que je vous le dise parce que je sais que ça en a embêté quelques-uns, que quelques-uns se sont plaints, que la qualité n'était pas ouf. Mais j'y pouvais rien parce que j'étais même pas au courant, vu que moi quand je la publiais, je vérifiais, c'était en bonne qualité. Donc voilà, what the fuck total. Bref! Donc aujourd'hui, 7ème épisode et nouvelle mission au rendez-vous. Et oui, et une mission qui m'intéresse fortement en plus. Car aujourd'hui, nous allons faire la campagne de Market Garden. Et oui, et cette mission va rappeler fortement Medal of Honor en première ligne, vu que dans Medal of Honor en première ligne, il y avait également la mission Market Garden. Et en plus, regardez sur l'image de fond, on reconnaît facilement le pont de Nimeg, qui était également présent dans Medal of Honor en première ligne. Alors j'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemble cet environnement dans un jeu de 2007, sachant que Medal of Honor en première ligne était un jeu de 2002. Voyons voir 5 ans plus tard comment l'évolution de ce lieu a changé. Voilà, alors j'ai vraiment hâte de découvrir ça, donc comme d'habitude, je vous rappelle que mon objectif est de finir la mission dans chacune des difficultés pour avoir le jeu à 100% et de valider les 5 points d'atterrissage. Dans un premier temps, je rappelle, je vais découvrir la mission en difficulté normale. Ce sera mon objectif. Pendant l'essai en normal, je vais devoir essayer de retrouver les 5 points d'atterrissage. Essayer de les localiser tous les 5. Et après, en amateur, eh bien, on va essayer de spammer les points d'atterrissage pour en valider le plus possible rapidement en recommençant à la chaîne. Et valider la mission également en amateur, là, ce sera facile. Et puis après, si jamais, en fonction du temps qui nous restera, normalement, ce sera pas aujourd'hui, hein, mais en fonction du temps que ça prend et tout ça, je verrai bien qu'est-ce qu'on arrivera à faire dans cet épisode-ci. Mais normalement, quand on aura fini tout ça, il restera le mode expert à valider. Et pour le mode expert, on essaiera de valider un dernier point d'atterrissage. Voilà, en essayant de garder le dernier le plus stratège pour le mode expert.
pour que ce soit à notre avantage. Voilà. Donc le mode expert, à mon avis, ce sera sûrement dans le prochain épisode, quand on aura sûrement pas le temps de le faire dans celui-ci, ça prend du temps. Donc déjà aujourd'hui, il va finir au moins en normal, localiser le point d'atterrissage et en valider quelques-uns. Peut-être finir en amateur, tout dépend de la longueur de la mission, je ne sais pas. On va le découvrir, j'espère que vous êtes chaud. Dans le dernier épisode, nous avions donc terminé la mission Neptune avec 5 étoiles partout. Magnifique, 5 étoiles dans chacune des difficultés, chaque point d'atterrissage a été validé. Une bonne mission, tout s'est bien passé à part le bug de qualité, voilà. Contrairement à Avalanche, où là il me manque une étoile en expert, mais ce n'est pas grave, car pour rappel, pour ceux qui débarquent, je ne suis pas obligé d'avoir toutes les étoiles partout pour finir le jeu à 100%, étant donné que, regardez, pour avoir la médaille d'expert, regardez, il faut que j'obtienne une note de 3 étoiles pour toutes les missions en niveau expert. Donc c'est au moins 3 étoiles pour avoir la médaille finale. Donc, vu que j'en ai 4, c'est validé, il m'en faut au moins 3. En fait, simplement, en amateur, je suis obligé d'avoir les 5. En normal, il m'en faut au moins 4. Et en expert, il m'en faut 5. Simplement, voilà. 5, 3, pardon. C'est 5, 4, 3. Voilà, c'est l'objectif minimum des étoiles. Donc là, on commence en normal pour la découverte de la mission. Un moment que j'aime toujours beaucoup. J'adore l'aspect découverte, vous le savez bien. Donc voilà, je suis chaud. J'espère que la mission Market Garden nous réserve du lourd. Mais normalement, ça devrait être un... Je sais pas comment ils vont la simuler, je sais pas trop à quoi ça va ressembler parce que l'opération Market Garden est une très grosse opération qui a mal tourné en plus pour les Américains. Donc on va voir sous quel aspect de la chose on va voir cette mission-ci dans ce jeu. Allez, c'est parti en tout cas, let's go! Hâte de découvrir cette nouvelle mission. Et je m'excuse par avance si dans les jours à venir, les amis, il y a un peu moins de vidéos sur la chaîne, c'est tout simplement parce que je vais entrer dans une seconde session d'examen et du coup il faut que je travaille un petit peu, donc je suis désolé par avance, voilà. Soldats, avec moi. Cette fois, nous allons frapper un grand coup. Si on réussit, on sera peut-être rentré pour Noël. Mais soyez attentifs. L'opération Market Garden compte sur les troupes aéroportées pour sécuriser plusieurs ponts clés sur la route d'Arnhem. C'est un plan risqué, mais il ne saurait tolérer la moindre faille. Le pont qui nous intéresse est à Nimègue. Nous devons investir la ville, puis prendre cet ouvrage. Les Allemands préféreront le faire sauter que de nous le laisser. Aussi devrons-nous trouver et neutraliser leurs explosifs. En dépit des bombardements alliés, l'ennemi conserve des blindés en état de marche. Débarrassez-nous de toutes les menaces du secteur. Vous sauterez sur un secteur acquis aux forces de l'Axe. La prudence est de mise. Rompez. Ah ouais, carrément. Ben voilà, c'est ce que j'ai dit. Hein. Non seulement on a parlé de Arnhem, donc on va devoir passer par les routes d'Arnhem, de ce que j'ai compris. Et... essayer de neutraliser les explosifs du pont de Nimègue. C'est exactement la même chose que dans En Première Ligne. Je sais pas si les explosifs seront placés de la même manière et tout ça, on va voir. Je sais pas si la mission se passera de jour ou de nuit. Je ne sais pas non plus. Dans En Première Ligne, ça se passe de jour et en plus, dans En Première Ligne, je suis tout seul sur le pont. Je suis envoyé en éclaireur tout seul et je désamorçais les bombes tout seul. Ici, ça a l'air d'être différent. Ici, enfin, quoi, on verra bien. Hein. Alors, par contre, je vois qu'il y a 3 safe zones. Ouais, il y a beaucoup de territoires ennemis. Alors, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va aller. Soit on va tout à gauche, soit on va en bas, soit on va au-dessus. Aucune idée, puis il faudra qu'on trouve les points d'atterrissage. Hein. Et puis, il y a le pont de Nimègue qui se trouve là au-dessus. Il faudra aller le sauver avant que les Allemands le fassent exploser. Donc, ça, ce n'est pas une surprise si vous avez suivi également Medal of Honor en première ligne. Voilà, eh bien, j'espère qu'on peut y aller. Je ne sais pas si la petite ville qui est là, est-ce que c'est Arnhem ou pas? J'ai pas vraiment fait gaffe. Je sais qu'il a parlé d'Arnhem, je ne suis pas sûr que c'est cet endroit-là. Dans mes souvenirs, en fait, il faut traverser le pont de Nimègue pour rejoindre Arnhem, pas le contraire. Donc, je ne pense pas qu'on est à Arnhem, là, maintenant. Pourquoi j'ai peut-être des conneries hein. Peut-être. Bref, quel point de safe zone on va viser? Parce que dans un premier temps, on va viser une safe zone quand même. Hein. Les 5 points d'atterrissage, je ne sais pas dire à l'avance où ils sont. Hein, sauf si j'ai vraiment de très bons yeux, mais c'est un peu compliqué. Donc pour localiser les points d'atterrissage, je rappelle qu'il faut simplement localiser un parachute. Il y en a 5, donc il faudra les localiser tous les 5. Et après, on essaiera de les valider. Allez, let's go. Alors, au niveau de l'armement, bon, je ne sais pas trop à quoi m'attendre comme genre de mission. Alors... au niveau de l'environnement, alors clairement il me faut un sniper, parce que le pont de Nimègue, je sais à quoi m'attendre si c'est plus ou moins comme dans la première ligne, le sniper il est primordial. Fusil à pompe il sert à rien par contre ici. Alors autant changer, et moi je propose... est-ce que je prends l'STG-40? Je suis accro à cette arme, mais il faut peut-être que je varie un peu, non? J'ai déjà tout amélioré en fait, ouais, toutes mes armes sont au max. Sauf le M18, je rappelle que je n'avais pas amélioré au max, donc j'espère qu'on aura l'occasion de le valider prochainement. Ouais, bah le Springfield c'est bon, et STG-44, écoutez, hein, ça me semble être le meilleur armement pour moi.
Toujours qu'un seul flingue pour le moment. J'espère qu'on débloquera le Luger bientôt. Enfin, je crois que c'est le Luger, je sais plus. Ou le P-Walter, je sais plus. C'est un des deux, je sais plus. Un pistolet allemand, en tout cas. Bref, c'est parti. Ok. Oula, les ennemis sont de plus en plus puissants, regardez ça. Ils ont des STG-44 avec des lunettes. Ah non, c'est des Gewehr, pardon. Des Gewehr avec des lunettes. Autant pour moi. Ok, let's go. Ça va être chaud. Première découverte de la mission, alors profitez bien et bon visionnage à vous. Pour une fois, un parachutage qui se passe bien. Et on a la musique d'Arnhem en plus, c'est trop bien. Oh yes. Oh les amis, c'est incroyable, c'est la musique d'Arnhem. C'est la musique d'Arnhem qu'il y a dans la première ligne. Voilà, je vais à l'aveugle vers le point d'atterrissage vert qui est là-bas. Il y a des Allemands là en dessous. J'ai pas vu de parachute au premier coup d'œil. Ah si, il y en a un juste. Ah non, je croyais, j'ai mal vu. Et parfait, voilà, maintenant que je sais comment faire des atterrissages parfaits, j'en profite. Ok, on est en normal, alors on se méfie. Wow, ok, d'accord, les Allemands sont directement là. C'est pas une safe zone si bien que ça, en fait. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas écouté. Attendez, je vais regarder, j'ai pas bien écouté. Saboter les explosifs passés sur le pont, oui, ça ok. Il faut neutraliser le détonateur et neutraliser le matériel radio. Ok, sécuriser la ville de Nimègue. Ok, donc c'est la ville de Nimègue, ce n'est pas Arnhem. Ok, mais on avait quand même la musique d'Arnhem pendant qu'on était parachuté. Récupérer les grenades Gammon. Ouais, je connais pas ça. Et nettoyer les nids de mitrailleuses, il en reste 3. Ok, donc ça c'est dans la ville de Nimègue. Donc en fait, on a des objectifs sur le pont et dans la ville. Bah, tant qu'on est dans la ville, autant faire ceux de la ville. Hein. Donc récupérer les grenades Gammon et nettoyer les nids de mitrailleuses, il en reste 3. Ok, c'est parti. Ah, on peut monter là-dedans. Ah, il fait des débris sur ce qu'il y a un bâtiment. C'est parti les amis pour une nouvelle mission. Je vais vous faire un beau gameplay pour une belle découverte. Ah, c'est vrai, en fait ce qui est dérangeant dans ce jeu c'est sa fluidité. Il a beau vraiment être magnifique visuellement pour son époque, 2007 c'est super beau pour un jeu de 2007, on va pas se le cacher. Mais ils ont mal optimisé le jeu, il lag beaucoup. Enfin, il lag, il rame beaucoup. Je pense que là, on doit jouer à peine à 20 FPS, quoi. C'est pas incroyable. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la barre! Oh, les amis, ça, faut que je sois obligé de la prendre. Bah oui, la barre, première fois qu'on l'a dans le jeu. Oh oui, elle est trop jolie, en plus. Alors, par contre, la barre, je risque de bien la kiffer aussi, hein. J'aime beaucoup les STG-44, mais la barre, j'avoue qu'elle concurrence pas mal aussi. Alors ici, on a quoi? Santé. Chin, pardon. Ok. Ah, oh, des vieilles voitures, là. Oh, la barre. J'espère qu'elle est aussi bien que dans les autres jeux. Ok, bon. On a déjà nettoyé les ruines. Ils sont là-bas. Je zoome un petit peu et... BIM! Merde, j'ai raté le headshot. Putain! Les musiques, c'est celle d'en première ligne qu'on entend. Munitions, armes, je préfère pas en prendre pour le moment. Alors, je sais pas trop où aller, hein, les amis. Là, je découvre, donc je lui vais un peu à l'aveugle. Attention à notre vie, quand même. Attention, comme j'ai dit. On est en normal, donc c'est pas non plus extrêmement simple. En normal, ça devrait le faire, hein. C'est plutôt en expert, ce sera vraiment dur. Allez, on va tester la barre. Ah oui, elle est bien. Oh oui, qu'elle est bien. On va essayer de l'upgrade au max, hein, comme d'hab. Oh, c'est dommage que la musique, elle est pas plus forte que ça. C'est une musique dans première ligne qui est vraiment mythique en plus.
Dommage qu'ils ont pas mis le volume de musique plus fort. Oh, oui, 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 attention. C'est peut-être un nid de mitrailleuse par là, hein. Je vois qu'il y a une flèche. Oh, la musique, j'adore. C'est les musiques mythiques. Allez. Il me semble que j'entends un char. Je crois qu'il y a un char dans le coin, les amis. Là, c'est pas un char que je viens de voir passer, là. Ah, putain, si, il y a un char. Il y a pas un M18 dans le coin, justement, vu qu'il y a un char. Peut-être. Ce serait l'occasion. Putain, je pense que c'est un mitrailleux, ça, non? Je suis pas sûr. Magnifique headshot, au passage. J'adore la musique, les amis. Ça me rappelle trop bons souvenirs. Ok, qu'ils ont recyclé leur vieille musique, mais... Ils sont tellement mythiques. Attendez, qu'est-ce qu'il y a là-haut? On va aller là-haut. On aura peut-être un meilleur poste de tir. Ok, ici, on est peut-être mieux pour les... Pour tous les shooter. Arrêtez de bouger! Je trouve que le bruit de la barre n'est pas si ouf que ça, par contre. Normalement, la barre fait un bruit beaucoup plus lourd que ça. Normalement, la barre fait un tir bien... Si on respecte, comme dans première ligne, par exemple, on faisait un gros bom 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 comme ça. Ici, c'est pas terrible. Enfin, je sais pas ce qui est le plus fidèle à la réalité, en vrai, à vrai dire. Je pense que dans la réalité, la barre fait vraiment un gros bruit. Mais merde, ah, il bouge de trop. Ah, j'arrive même pas à le suivre. Oh là, je l'ai eu. Attention, il faut que je surveille les parachutes. Là, j'ai même pas encore regardé, mais oh, la musique, j'adore trop. Sauf qu'on peut encore monter là-haut si on veut. J'ai peur qu'il y ait des gens là-haut. On est sur le toit, les gars, c'est incroyable. Il y a sûrement un parachute quelque part. Ah, voilà, premier parachute. J'allais dire qu'il y a un parachute dans le coin, sûrement. Et ouais, il est juste là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour celui-là? Ah, il fallait au-dessus, sûrement. Attention qu'il y a des Allemands, là, je crois. Wow, attendez, c'est grand. Ah, le voilà, regardez, le fameux pont de Nimègue, il est là. Alors, ce qui est particulier, c'est que là, on fait la mission de jour. Alors que dans la première ligne, c'était clairement de nuit. Hop, hop, hop. Oh, l'enculé! Pour avoir tué notre pote, voilà. T'as encore un mec là-bas, je crois. Ouais, allez-y à deux. Oh putain, il est au-dessus. Tu te cacheras pas. Là, je pense qu'il y a un bug de texture. Je pense qu'il est caché derrière un truc qui n'est pas modélisé d'ici. Ah merde. Ah mais il est mort. Ah si, c'est bon, je l'ai eu en fait. Autant pour moi. On l'entend, le char. Hein. Ah, j'espère qu'il y a un M18 dans le coin. Alors par contre, il y a un objectif par là. Je sais pas si c'est un nid mitrailleuse, si ce sont les grenades Camon. Ça c'est Camon, je crois. On va aller voir là-haut. Je sens qu'il y a un sniper ici. Ah, zone de saut précision trouvée. Vous êtes sur le clocher de l'église. Sur le clocher! Est-ce que c'est là au-dessus ou c'est ici? Ferme là. sur le clocher. Alors j'ai du mal à savoir s'il parle de ici ou là, en fait. Parce que le clocher, techniquement, c'est ici, pas là. Bon, j'espère que ça sera pas trop galère, du coup. Ah, mais par contre, d'ici, pour le sniper, c'est magnifique, en tout cas. Ah ouais, ici, je peux me faire plaisir. Ah, mais ils l'ont eu. Du coup, on est ici. Donc, déjà, il y a deux trousses de soins. J'ai pas encore dû en utiliser une seule, c'est bien, ça. Waouh, c'est haut. Ici, on devrait voir le char, du coup. Ah, il est là, regardez. Attendez, là-bas, il y a du monde, j'ai vu. Autant se les faire tant qu'on est là. Le char me visait, je crois. Ouais, ouais, il me visait. Oh l'enfoiré, faut bien le surveiller. Ça c'est un nid de mitrailleuse. Ouais. Alors comment on les neutralise, les nids de mitrailleuse? Est-ce qu'il faut tuer tout le monde? Est-ce qu'il faut faire exploser un truc? Regardez-le là, il me vise. Oh putain, attention à couvert les amis. Voilà. Il a des yeux de lynx, ce char, hein. Là-bas ça tire dans cette direction.
Oui, on me voit. T'es là-bas. Wow. Se calme, mon petit gars. Oh, j'adore le gameplay du jeu, en vrai. Putain, lui, il est au courant que je suis là, hein. Putain, foireote. Voilà, oh, headshot, magnifique. Pas oublier d'utiliser la barre, hein, parce qu'il faut l'upgrade également, hein. Il est encore essayé de me tirer dessus, le char. C'est con qu'il y a le toit, hein. Alors, il y avait une autre safe zone là-bas, apparemment. Il y a un allié près d'une caisse qui est passé à travers une caisse, what the fuck. Et la dernière safe zone, elle était là-bas au loin, je crois. Il part par là. Ah ouais, là-bas, on voit une peau de fumée verte, regardez. Oh, attention! Heureusement que j'y ai pensé au dernier moment. Encore un mec là, ouais. Ok, alors attendez, d'ici peut-être que je peux repérer d'autres parachutes parce que j'y pense pas, mais c'est vrai que d'ici j'ai tellement un beau point de vue que je pourrais chercher un peu après ça. Alors, est-ce que vous voyez un parachute, vous les amis? Donc logiquement, c'est la ville là-bas, la ville de Arnhem. Ah, c'est flou. Je vais pas faire le focus. Ouais, logiquement c'est là-bas, donc je suis pas sûr. Et c'est complètement con parce qu'il y a le pont de Nîmes juste là et là-bas il y a un autre pont. C'est complètement con, on peut traverser par ce pont-là plutôt que passer par celui-là. Enfin, en fait, tu vois, il faut le sauver avant qu'il explose, c'est aussi le but. Mais. Au pire, il y a celui-là, les amis, pour traverser. Je veux pas dire, mais. Bon, je pense qu'on a eu. Ah, pas tout le monde. C'est un mec là-bas, on dirait. Ouais, ouais, ouais. Où est-ce qu'il va? Ah, il s'est planqué dans le bâtiment. Écoutez, on va redescendre. Ça fait longtemps qu'on est là. Oh, putain, quel con! Ah, c'est bon, heureusement que c'est vrai qu'on prend pas de dégâts de chute. Faut vraiment tomber de très haut pour avoir des dégâts de chute. Ouh, là, en dessous, il y a du monde. Si je tombe, je vais me faire mal. Attention, il y a peut-être encore du monde. On va descendre prudemment. Putain, j'arrive pas. J'ai toujours eu du mal avec les échelles dans les Medal of Honor, c'est un truc de fou. Le char vient de passer. Ta gueule. Alors, hop. Voilà, putain, je gère aujourd'hui. J'ai même pas encore dû utiliser un seul kit de soins, c'est incroyable. Au niveau des objectifs, ouais, on a encore rien fait du tout. Hein. Il y a 4 trousses ici! Bonne vieille musique dans première ligne, ça fait tellement du bien. Eh ben non, monsieur. Oh merde, il est pas mort. Attention à lui, comment je pourrais le détruire? Pas du tout. Oh! Il me visait complètement. Ça m'a fait peur. Bon, écoutez, on va aller dans la zone là-bas. Parce qu'il y a une flèche qui indique cet endroit. Donc on va un peu aller fouiller. Ah, regardez là. Selon le S2, l'ennemi entend faire sauter le pont et a dissimulé des charges explosives un peu partout en ville. Retrouvez-les et sabotez le matériel de mise à feu. Un nouvel objectif. Extraiser le matériel radio. Ah, j'étais déjà au courant, hein, c'était déjà indiqué. Attention, je suis pas sûr que tout le monde est mort dans cette zone. Alors déjà là, on a localisé un parachute. Donc c'est le deuxième. Il faudra déjà réfléchir lequel sera le plus avantageux pour nous ou pour le mode expert. Hein. Faut déjà commencer à réfléchir.
Et là-bas, il y a du monde, là. Ils sont avec nous. Ok. On rentre là-dedans. On monte là-haut, il y a un objectif tout près. Alors c'est ici qu'il faut se poser pour le parachute. Ouais. Faut se poser ici, je suppose. Hein. Dans la pièce en ruine. Ouais, bah c'est clairement ici, il faut passer par la petite fenêtre et hop, ici. Ah, attendez, on peut monter là-haut. Il y a beaucoup d'échelles dans ce niveau, j'aime bien. Il y a encore quelqu'un apparemment. Ouais. Attention. Bien joué. Ah, mais c'est déjà la radio ici en fait. Mais il y a plein de trous et j'en ai pas besoin, c'est quoi ce délire? Ah, là encore. Oh, il y a un lag bizarre. Ok, alors ça c'était la radio. D'accord, moi je pensais que c'était... C'était lié au pont de Nimègue, mais en fait non, c'était plus dans la ville. Okay, bon, bref, au moins il fallait le faire et c'est fait. Donc là, la radio est neutralisée. Une bonne chose de faite. Une jolie cathédrale. Bon, comment on sort d'ici? Par là. Allez go, on va passer par là-bas. Écoutez, j'avais vu un passage ici. Comme ça, on passe par une autre zone un peu. On sera à l'abri du char par ici. Mais tant mieux si tu es prêt. Mais c'est un objectif tout près là. Ah, une nouvelle musique du jeu, parce que des fois il y a le jeu qui propose quand même de nouvelles musiques, ça fait quand même du bien. J'en parle le petit trou. Je peux pas. Merde, je peux pas passer par le trou. Où est-ce que je suis? Une fois que j'arrive pas à comprendre où je suis, les amis. Aïe aïe aïe, mais ça me fait mal. Putain, j'ai perdu de la vie là par contre. Je vais me chercher une petite trousse. Putain, j'en trouve pas alors qu'il y en avait plein. Pas grave, on en trouvera une sûrement sur le chemin. Là-dedans, je suis sûr qu'il y en a un. Ah, je rentre vite. Ah, ok. Ouais, ouais, attends. Ah, ok, c'est un cul-de-sac ici. On peut monter là-haut. On dirait que ouais. Je serais mieux mis. Ah, voilà, des trousses. C'est ce que je cherchais. Il y en a partout, hein. En fait, ici elles sont fort regroupées les trucs, j'ai l'impression. Elles sont pas fort dispersées, mais elles sont trop regroupées dans des endroits. Ok, ici par contre on va pouvoir se les faire. Encore des trousses là-bas. Non, moi je peux utiliser ma barre d'ici. Hein. Attention quand même. Oh putain, ils sont violents! Rentrer dans le bâtiment, les enfoirés. Il me contente pas. Putain, l'enfoiré! Et tu le? The fuck? Ils s'enfoirotent! Ah, une mauvaise musique. Putain, c'est chaud là. Mais ils sont en tout plein de fenêtres, je peux pas viser partout à la fois. Oui, bien joué. On va avoir des upgrades pour la barre, voir un peu ce qu'elle peut nous proposer de mieux. Ah, attention, ces munitions aussi. Dans les ravitailler à un moment donné.
Putain, où est-ce qu'il va lui? Allez! On se les fait tous. Ah, je veux dire, on s'est peut-être déjà tous fait en fait. Putain, je veux pas que tu fasses ça. Allez, go! S'il y a un rescapé, il va crever. C'est quoi ça? STG-44. Oh yeah. Ah ok, c'est le fameux détonateur. Nice. Ni une mitrailleuse neutralisée là, ouais. Je crois, hein. C'est un ennemi mitrailleuse, ça. Il y avait deux mitrailleuses de chaque côté. Il me semble. Wow, par contre, là, c'est pas fini. Attendez, on a bien avancé déjà. Oh, il en reste plus que deux d'ennemis mitrailleuses. Détonateur, c'est fait. Nanana. Saboter les explosifs passés sur le pont, what the fuck? Mais j'ai même pas été sur le pont, c'est quoi ce délire? Les unités aéroportées, le renseignement nous fait savoir que Nimeg est truffé de mitrailleuses ennemies. Vous avez ordre de localiser ces postes de tir et de les neutraliser. Attendez, il faut même pas aller sur le pont, ça se trouve, ça veut dire? Ah non, moi je vais aller sur le pont, hein. Si, si, il faudra y aller. Ah, quoi, j'ai trouvé cette précision? J'ai même pas vu. Se poser sur le balcon? Ah ouais, juste là, putain, je l'ai même pas vu. Juste là sur le balcon. Oh, ok, ça fait un troisième. Bah nice. Je l'ai trouvé complètement par hasard celui-là. Magnifique. Attention quand même. Il faudrait moins de recul sur l'arme en vrai. J'espère qu'on aura un compensateur de recul bientôt. Des fois j'ai du mal à viser tellement qu'il y a une baisse d'FPS. Je rappelle que je joue sur PS3, hein, pas sur PC. Parce que le jeu est disponible sur PC également. Putain, je l'ai pas eu. On rentre dans un bâtiment, on est trop exposé ici. Si le char se ramène, on est dans la merde. Putain, le char essaie de nous avoir en plus. Faut passer par un autre côté en vrai, là on est trop mal mis. On est complètement exposé au tir ennemi. Pas moyen de sortir du bâtiment par une autre porte ici? Non. Ah, c'est pas bon ça. Attendez, je vais retourner là-bas en arrière et on va passer par un autre endroit. Il faut passer par là. Hop. Il y a un mec là. Où tu sors toi? Tu t'es perdu? Hé, mais d'où il sort? Il n'y a plus personne ici tout à l'heure. Ah c'est bon, upgrade de l'arme. Compensateur. Oh yes, c'est ce que j'avais demandé en plus. Compensateur de recul, nice, parfait. Je vais juste revenir ici, histoire de me ravitailler en munitions. Parfait. Ça va faire du bien ça. On va passer par l'autre côté, parce que l'autre côté me paraît, enfin, le premier côté me paraît un peu trop dangereux. On va voir par ici ce qu'il y a. Une grenade gammon. Ok. C'est parti pour les grenades gammon, mes amis. Il me manque encore deux points d'atterrissage à localiser, hein, n'oublions pas. Là-haut, ça, ok. Un sur un balcon, un dans une petite pièce en ruine. Et les deux autres, alors. Apparemment, je gère assez bien, je suis content. Ah, ils les ont eu, ok.
rien en vue par ici. Non. Ok. On peut monter là. Ouais, on peut monter. Tiens, les gars du monde. Bonne vieille musique qu'on a. Qui me tire dessus. Oh putain! La musique est incroyable. C'est génial. Elle me fout des frissons cette musique. C'est un thème bien connu de Medal of Honor qui a été retravaillé et tout. Faut des soins par contre. Plus personne en vrai, je peux avancer, je pense. C'est trouver des soins dans le coin. J'étais où? Bah, chercher des soins. Putain, je pensais qu'il se cachait, mais il est mort, merde. Et là où? Ah, là, un parachute. Toi, t'es grillé. Vas-y. Il faut se poser où? Sur les planches, entre les maisons. Waouh, là-dessus! Le pire endroit ever! Ça, jamais je le prends pour le mode expert, les gens! Ok, ça fait 4. Putain, il va être chaud à localiser celui-ci en vrai. J'aimerais des trousses de soins, s'il vous plaît. Jump en face. Yo, oui. Du coup, je peux les prendre par derrière. Oh, c'est parfait. Ils m'ont entendu. Ouais. En vrai, la barre n'a jamais eu beaucoup de balles dans le chargeur. Alors, j'espère un meilleur chargeur pour la prochaine amélioration. Qu'est-ce que tu crois, mon petit gars? Je vous rends pas derrière. Attention. Le char est toujours là. Il faudrait trouver un moyen de le détruire. Pas un M18 dans le coin, sérieusement. Ah, il est là-bas, le parachute du balcon. On voit bien d'ici. Pas aller sur le toit, je parie. Ah, nice. Oh. Tu viens d'atterrir, toi. J'espère qu'on ira sur le pont après et que ce sera la deuxième partie de la mission. Vraiment, ce serait dommage qu'on puisse pas aller dessus. Ça rappellerait tellement en première ligne. Merde, j'ai raté mon jump. C'est pas grave. Par contre, il n'y a pas de soins ici. Si, là, il y en a. Ok, on a détruit une mitrailleuse ici. Ok, nice. Munition grenade. J'en ai bien besoin, ouais. Le chartier, il faut le faire. Ah, ok, il vient de s'afficher. Le chartier isolé.
Ah, par tous les moyens possibles, gars. Ah, ok, il y a même pas genre un M18 dans le coin ou quoi. Par tous les moyens possibles. Ok, on va devoir se démerder pour trouver une solution, les amis. Ah ouais, chaud. J'ai pas de lance-roquette, hein. Quoi, ça, comme balle. Je veux pas interagir. Ouais, de fait que je regardais, je suis bugué quand j'ai contre la balle. C'est quoi ce délire? Ah, musique de Medal of Honor Resistance. Qu'est-ce que je dois faire ici? Parce qu'ils me disent qu'il y a un objectif à faire, mais... C'est la malle qui est là. Mais ouais, attendez, je vais interagir avec et j'y arrive pas. Juste parce qu'il y a une STG-44 par terre qui me gêne, attendez. Mais... La malle est buggée ou c'est moi? J'arrive pas à interagir avec cette malle. Alors peut-être que je regarde pas au bon endroit aussi, hein, c'est pas impossible. Moi je veux le Springfield par contre, pas les STG-44. Attendez, mais je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai l'impression qu'il y a un bug, les amis. J'ai l'impression que je dois interagir avec ça, mais qu'il veut pas. Ouais, je peux jump sur les caisses là en vrai. Hop, hop, hop. Maintenant ils me disent que c'est en dessous. Mais c'est cette malle là. Mais il y a un bug. Parce que du coup, il y a un truc pour détruire le char dedans. Et du coup, qu'est-ce que j'ai réussi là? J'ai pas encore trouvé les grenades. Ah, si, si, j'ai récupéré les grenades Gammon. Ah, je savais pas. Et du coup, attendez, il me reste quoi à faire? Un nid de mitrailleuse, le char tir isolé. Et c'est tout. Pourtant, j'ai trois trucs sur ma boussole. J'ai l'impression que le truc est bugué. J'avais pas ramassé les grenades de cette malle il y a 2 secondes. J'ai ramassé des grenades dans une malle il y a 2 secondes. C'était où? C'était pas celle-là. Attendez, je vais faire un test, je vais lancer une grenade. Ah ouais, c'est voilà. Munition grenade. Je viens de comprendre. Je vais devoir me servir des grenades pour faire péter le char en fait. Et c'est pour ça qu'on me donne cette caisse-là à ma disposition pour utiliser les grenades à l'infini. Ok. Wow. Joue à ça mon petit gars. Prends ça. Et vous prenez ça. Voilà. Oh putain. Là, je peux pas tourner plus à gauche. Prenez ça. Ok, j'ai compris. En fait, je peux pas interagir avec parce que j'étais full grenade. Et ça me servira pour détruire le char à tous les coups. Parce qu'on n'a pas droit à un lance-roquette. Putain, moi quand j'ai vu le char, je me dis oh cool, il y aura un M18. Mais non, pas du tout, fait chier. Ok, bon, ben on va rester ici, je pense, hein, vu que les grenades sont juste là. Ouais, j'en ai un coup de crosse dans tout ce que je montre, moi. Attends, parce qu'il reste des ennemis là-bas. On peut se les faire en attendant, peut-être. Et il me reste un dernier parachute à trouver aussi. Hein. Merde, ah, je me trompe de touche. Ah, mais j'ai ça comme grenade aussi. Ce sera mieux pour le char, ça, en vrai. Parce que ça lui colle dessus. Ben voilà! Continuez! On doit prendre ce patelin! Ah, et comme par hasard, donc l'objectif est accompli, le truc s'est ouvert. Par contre, attendez, c'est qu'on a de là, il faut aussi que je les upgrade. Oh my god! Oh non! C'est des grenades collantes! Ah, c'est rare quand on a des grenades collantes dans Medal of Honor. Pourtant, je sais que ça existe dans la Seconde Guerre mondiale. Hein. Bah écoutez, on va essayer de les utiliser un petit peu, on a quoi? Ah, j'ai 3 types de grenades du coup, incroyable! Bon allez, on va essayer de jouer avec. Je vais juste essayer de me ravitailler en grenades pour elle. Quoique j'aurais pas une grosse réserve vu qu'à mon avis elles sont pas upgrade les grenades et que l'upgrade des grenades bah, c'est la quantité justement. Donc attendez, je vais retourner au début. Je pense que j'ai laissé des malles encore là-bas. Une avec des grenades si j'ai le bon souvenir. Qui se trouvait juste, voilà, juste là devant moi. Ah c'est la santé, ah merde. Il n'y a pas une malle à grenade ici. Ah merde. Pas grave, il y a peut-être encore des endroits où il y en a, vu qu'il y a d'autres safe zones qu'on n'a pas explorées encore. Ok, tu prends le côté droit si tu veux. Il ne me reste plus qu'un objectif.
Le dernier nid de mitrailleuse, ok. Après, j'espère qu'il y aura un objectif de fin de mission. Aller sur le pont, par exemple. Et retirer les explosifs, parce que, ok, qu'on a neutralisé le détonateur, mais les explosifs, ils sont toujours sur le pont. Faut au moins les retirer, sinon il leur suffit de mettre un nouveau détonateur et c'est bon, les gars. Mais il me manque un parachute. Il doit sûrement se trouver plus par là, hein, du coup, vu que c'est la zone que j'ai pas encore explorée. Par contre, dans cette zone, je suis pas encore rentré. Et il y a encore un ennemi, apparemment, juste là. Merde! Oh, il a pas mort! Je pensais que ça allait suffire, le coup de crosse à travers la fenêtre, mais non. Et je vais me soigner vite fait. Je sais où est-ce qu'il y a des trousses. Dans le clocher, il y en a 4, donc on peut se faire plaisir. À moi. Allez, on va aller explorer la zone là-bas qu'on n'a pas encore été. C'est juste là. Attendez. Il reste un ennemi là-haut. Ah oui. Et bien voilà. Il y a plus de mitrailleuse. Bien joué, Traverse. Le patelin est à nous. Viens, Traverse. Il faut rejoindre les autres. À toutes les unités aéroportées à l'écoute. Veuillez vous rassembler au centre-ville et attendre de nouvelles instructions. Ok. Ah, c'était là l'autre. Ah, regardez là-bas, il y a une malle. Je vais essayer d'y aller. Il saute par-dessus. Les bonnes vieilles musiques. Ça fait trop du bien de les réentendre en vrai. Même si c'est vrai qu'ils recyclent les musiques, c'est pas très grave parce que moi j'adore les musiques. Eh, c'est des munitions de barre ça. Ah, j'allais dire, je pourrais pas les ramasser. Ah, encore la santé. Non, il y a une autre malice, voilà. Munitions, mais non, mais moi je veux des trucs pour grenades. Vous êtes casse-couilles. Et la dernière save zone, elle est là. Ah mais non, c'est pas une save zone, c'est... Oh, quel con, c'est le point de rassemblement, bon, pas grave. Encore ? Oh, fuck ! What the fuck? Il va falloir que je les sauve, c'est ça? Ah non, non, il s'est juste fait écrabouiller. Il s'est littéralement écrabouillé. Hein. Ah, ok! Oh, parfait! C'est ce que je cherchais! Neutraliser le char tigre. Oh, la bonne vieille musique encore! Et il m'a mis cher cet enfoiré! Là. Plein de trousses encore. J'en ai déjà mis 2. On va reprendre une réserve. Ouais, je peux maximum aller à 10, j'ai l'impression. Je peux même pas en prendre là! Merde! Voilà, c'est bon, il est détruit! Ouais, what the fuck? Ok, bien. Je pensais que la malle avait disparu. Ah, rejoindre les paras sur le pont! Ok, ça y est! Il faut qu'on aille sur le pont, les amis. J'allais dire, s'il faut pas y aller, c'est vraiment nul. Ça va, je suis rassuré. Let's go! Mais il me manque toujours un parachute avec ces conneries, hein. Où est-ce qu'il peut être? Eh, grenade, attention. Où est-ce qu'il peut être ce dernier parachute que j'ai loupé? Attendez, il faut que j'explore avant d'aller sur le pont. Parce qu'il peut pas être sur le pont le dernier parachute, c'est pas possible. On peut pas avoir accès à cette zone-là en étant parachuté dès le début.
Donc j'ai loupé un parachute quelque part. Mais où? Moi je dirais dans ce bâtiment central là. Il est en plein milieu de la map et tout. Il est suspect mais je vois rien. Attendez, on va refaire le point. Donc il y en a un au sommet du clocher. Un là-bas derrière les bâtiments, là-bas au loin, il y en a un sur par une petite fenêtre dans les ruines. Un juste là, sur le balcon. Un autre entre les deux bâtiments se trouvant voilà juste là. Ça en fait 4. Et le cinquième alors. C'est pas lui? Mais si c'est lui! Ah mais non, c'est celui-là que j'ai déjà fait là, c'est pas celui-là où il faut se présenter deux planches. Mais je suis perdu là. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça fait 5 ça, attendez. Il y en a un là. Attendez, il y a un des deux que j'ai pas dû faire. Je confonds peut-être. Attendez. Comment on monte? Un escalier, s'il vous plaît. Là, merci. Est-ce que c'est celui-là? Où est-ce qu'il est? Là-bas. Il faut aller au-dessus. Je suis sûr que c'est celui-là qui me manque. Là? Ah, voilà! Dans le trou dans le mur. Oh, putain, il faut se poser juste ici. On a tellement peu de place. Ok, bah écoutez, on a localisé nos 5 points d'atterrissage. Maintenant, il va falloir déterminer lequel des 5 serait le meilleur pour notre essai en mode expert. Alors moi, clairement celui qui est entre les deux murs là-bas, c'est une très mauvaise idée. Ici, j'ai pas l'impression que c'est une très bonne idée non plus, parce que là, il y aura des mecs un peu partout. Sur le clocher, c'est peut-être pas mal. Sur le balcon, je pense que je serais trop exposé. Ouais, en fait, vous savez quoi? Je pense que je vais garder celui du clocher pour le mode expert, parce que ça me semble être le meilleur poste de tir. Genre, j'atterris là-haut, je prends mon sniper et je tue tout le monde. Franchement, pour le mode expert, ça me paraît être l'idéal pour faire la mission dans les conditions les plus simples. Allez, je prends pas de dégâts. Bon, franchement, on peut vraiment sauter de haut sans se prendre de dégâts. Bien, on a les 5 points d'atterrissage. C'est une bonne chose de fait, n'est-ce pas? Il y a du monde là-bas. Allez, direction le pont. Est-ce qu'on a un objectif particulier? Non, juste rejoindre les paras sur le pont, puis on saura ce qu'il faudra y faire, à mon avis. Eh oui, les missions sont longues quand même dans ce jeu, et heureusement, vu qu'il n'y en a que 6. Allez, attention que les grenades collantes, il faut encore que je les utilise. Hein. Boum. Ça a fait de dégâts. Elles ont l'air plus puissantes, ton grenade. Hein. Ouais, mais elle tue personne, là, what the fuck. Ah fuck, j'espère qu'elle me régène, mais... Ah voilà. Oui, deuxième upgrade pour la barre. Qu'est-ce qu'on a eu? Le chargeur? Ah non. Zoom augmenté. Ah, c'est pas trop mal. Ah oui, ça fait plus de précision. Ok. J'espère que la troisième upgrade sera le chargeur. Bien. Nous voilà en dessous du pont. Ok, j'espère que le pont sera joli, parce que en première ligne, on n'a pas
On n'a pas l'occasion de bien le voir vu qu'il fait très sombre. Parfait. Ah, oh, les musiques. Medelfono Résistance ici qu'on a comme musique. Ça fait de nostalgie, ça commence à faire vieux Résistance, hein. Il est temps qu'on la teste en vidéo déjà. Ça fait quasiment 3 ans. Pouh là là. Ça passe vite le temps, hein, les amis. Vous vous rappelez quand j'avais commencé les vidéos sur Medal of Honor, le tout premier sur PS1, il y a plus de 3 ans. Ça commence à faire vieux. Allez, on arrive sur le pont. Pas good. Oh non, les Panzer Shrek. Ah, il y en a plein. On a du travail. Waouh, ils visent pas que les chars, ces enflures. Ah ouais, je me barre. Je vais passer par un autre escalier que j'ai repéré là-bas. Peut-être que lui va me mener à un meilleur endroit pour les sniper. Oh, mais les vieilles musiques, j'adore. Mais de le fondant en première ligne ici. What the fuck, ça s'amène ici. Ok, enfin, c'est pour... ça revient ici en fait. Ok, ça revient exactement au même. C'était un petit raccourci. Donc je suis obligé de passer par là en fait. Ah, génial. Panzer Shrek maintenant, les amis. Putain, ces enculés qui m'ont toujours tué dans... Mais dans première ligne, justement. Wouah! Je vais pas mourir à ce stade. Là, une trousse. On va essayer de prendre un peu de hauteur. Fais gaffe à toi. Hein. Je sens qu'il va se faire exploser la gueule, lui. My god, ils font tellement mal en plus. Panzer Shrek, quoi. Les fucking Panzer Shrek. Où est-ce qu'ils sont? J'arrive pas à les voir en plus. On a déjà lui là-bas. Bye bye, mon gars. Voilà. Là-bas, c'en est un, ça, non? Ils ont des espèces de masques chelous, les mecs, avec les Panzer Shrek. Attention. Merde, il est avec moi. Pardon, je suis désolé. Allez, je vais sur le pont, allez, go, go, go! Je sors de ma planque, sinon j'y arriverai jamais. On avance, on avance, on avance. On fait le tour par là. Ok, là-bas. Je te vois. Il n'a pas eu le temps de tirer. Je l'ai eu. Ça fait un... Du coup, attendez, je vais pouvoir les ramasser, les Panzer Shrek. Ça fera encore une arme à upgrade. Génial. On est trop. La barre, les grenades collantes. Oh merde, qu'est-ce que je fais? Les grenades collantes, par contre, ça va être compliqué de les upgrade au max parce que je sais pas si on les aura dans d'autres missions en fait. J'espère que oui. Oh, il y en a partout, là, des Panzer Shrek. Je remplace quelle arme? Springfield. Allez, hein. Oh, putain, Panzer Shrek, les amis. Oh, putain, ça fait tellement bizarre de l'avoir ici. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un Panzer Shrek dans Medal of Honor, en plus. Oh, attention. Tu veux jouer à ça? Regarde bien ce que ça fait, alors. Boum! Je l'ai eu ou pas? Même pas! Je l'ai eu! Aïe aïe aïe! Non! What the fuck? J'ai régénéré toute ma vie d'un coup, c'est quoi ce délire? J'ai ramassé une méga trousse ou ça se passe comment?
Oh, merci la barrière, elle m'a sauvé la vie. Ah, je déteste les Panzer Shrek en vrai, parce qu'ils sont tellement imprécis. Aïe, mais putain! Mais laissez-moi tranquille! J'arrive pas à me le faire! Aïe, aïe, putain, ça va être compliqué de l'upgrade, hein. Voilà. Parfait. Combat de Panzer Shrek. Faut faire quoi là maintenant en fait? Ah, il y a encore un char tigre! Mais oui, je le vois! Oh, j'ai vu la roquette m'arriver droit dans la gueule! Ouah, mais putain! Est-ce qu'on peut monter sur le pont? Oh non, dommage! Non, en première ligne, on peut. Ah, pas comme ça, mais. Non, on peut peut-être sur les côtés. T'es pas encore mort, toi? Ta gueule! Il est pas crevé lui! Là! Mais quoi? Mais voilà, c'est pas trop tôt! J'aimerais bien aller ramasser les munitions qu'il y a là, mais il y a un mur invisible qui m'empêche d'y aller. Mais what the fuck, il y a un mur invisible! Ah voilà, je l'ai eu. Oui! Où ça? Je suis à découvert, je suis à découvert. Non! Vite, replie, 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 replie. C'était très chaud là par contre. J'ai frôlé la catastrophe. Waouh. Le truc c'est que j'ai trop envie de jouer avec pour tenter de l'upgrade, parce que je sais pas si je l'aurai dans une autre mission, vous voyez. Je suis comme ça moi, je veux finir le jeu à 100%. Du coup j'ai plus de sniper, ça complique les choses. Putain, j'ai galère à l'avoir lui. Attention au char. Encore un gogol là-haut. J'arrive pas à la voir. Il y a plein de barbelés qui gênent l'accès. Voilà, au moins l'avoir comme ça. Danger écarté. Toi le char tigre. Merde, j'ai tiré juste devant moi. Putain, je vais pas crever comme une merde ainsi, hein. Ça m'est déjà arrivé de me suicider comme une merde ainsi en plus dans un Medal of Honor. Le truc c'est, est-ce que je le détruis avec les grenades collantes ou avec le Panzer Shrek? On se roquette, enfin, Panzer Shrek plutôt. Genre, ça n'a pas suffi. Bon, on va l'achever avec ça alors. J'ai l'impression qu'on va pas assez loin. Attention, hein. C'est le bordel, hein. C'est vraiment le bordel. Là, j'arrive pas à vous faire un gameplay propre. Je suis désolé, mais là, c'est compliqué. Oh, j'ai plus de munitions de Panzer Shrek. Ils sont pas tombés dans les trous là. Ça... Ouais, on peut tomber, je crois. Attention. Bon, ça fait un frontal.
m'en fous des grenades à manche. Ah voilà. J'en ai qu'une seule de roquette. Toi t'es mort. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Oh merde. Merde, merde, merde! Si je me prends une roquette, je suis mort! Oh, c'est dur là, les amis, hein! Allez, j'ai plus vraiment de trousse dans le coin, là, faut faire gaffe! Ah voilà, ça y est. Bam, on les écrase. Colonel Scott Webb, commandant en chef. Voici le compte-rendu de fin de mission de l'opération Market Garden, en date du 17 septembre 1944. C'était notre première mission en diurne, et le bilan est malheureusement très lourd. Notre compagnie a bataillé ferme pour remplir tous ses objectifs et s'emparer du pont de Nimeg, ce qui permet le passage de nos blindés en route vers Arnhem, au nord. Le capitaine Campana m'a informé qu'au cours de l'engagement, le première classe Boy Traverse s'était illustré par un sang-froid à toute épreuve. Oui, on parle cette de moi. Cette qualité m'a incité à promouvoir Traverse au grade de caporal. Oh, nice! Nous avons besoin d'hommes de cette trempe. Voilà, on est caporal maintenant, les amis. Nickel! Est-ce que j'ai mes 5 étoiles d'argent, vous pensez, avec ça? Mission accomplie, hein, du coup, vous l'aurez compris. J'espère que j'ai les 5 étoiles. Que 3. Pardon. Ah, ça va pas le faire, là, du coup. Ça ne va pas le faire parce qu'il m'en faut au moins 4 pour valider... Ah, merde. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ne me dites pas que la précision compte encore ici. Oh non, ça va être chiant. Oh non, je veux pas refaire la précision, s'il vous plaît. Oh non. Oh non, pas ça. Oh non, s'il vous plaît. Oh non. Ah oh putain, il casse les couilles. Bon, attendez, du coup, il va falloir que je passe la cinématique ici. Oh non. Pourquoi j'ai que 3 étoiles? Je comprends pas. Mais j'ai bien joué pourtant. Je suis pas mort une seule fois. Vite pause. Votre attention. Non, pas d'attention maintenant, on attend ça pour une prochaine fois. Putain, ça m'énerve. On rencontre le même problème que sur Avalanche. Problématique à mort, ça. Bah écoutez, ça veut dire qu'il faut qu'on refasse la mission normale. Ah putain, ça va nous faire perdre du temps, ça. De toute manière, il faut valider des points d'atterrissage, donc... Bah écoutez, on va devoir jouer précision. Pas d'avance. Ouais. Écoutez, je vous propose d'abord une ellipse pour ma capture, au cas où. Et après, on va refaire donc la mission en visant la précision pour avoir au moins 4 étoiles. Du coup, ouais, il va falloir attendre au moins le prochain épisode avant qu'on fasse les trucs en amateur, peut-être. Ah ouais, ces conneries vont nous retarder. Chiant. Très chiant, mais bon. Va falloir... persévérer, il va falloir que j'ai manqué de précision. J'ai pas regardé, mais ah, j'aurais dû regarder mes stats pour savoir combien de précision j'avais eu. Mais c'est vrai, hein, j'ai remarqué que la précision comptait dans ce jeu, on l'a bien vu sur Avalanche surtout. Mais écoute, on va faire ça. On va se venger, on va essayer d'être très précis cette fois. Donc je vais jouer beaucoup au sniper, un petit peu avec la barre s'il faut, mais voilà, je vais essayer d'être très très précis. Ah, pas avec la barre, il le faut de toute manière pour l'upgrade. Ouais.
Bref, on va faire ça. Je vous fais une petite ellipse et on se retrouve pour tenter de faire ainsi. Maintenant, on connaît la mission de toute manière, donc ça ne devrait pas non plus être trop galère, je l'espère. Allez, à tout de suite. Ok, re les amis, bien. Du coup, voilà, on a des complications comme sur Avalanche. C'est pas très cool tout ça. Donc on a débloqué Varsity. Varsity qui est une campagne qu'on retrouve également dans Medal of Honor Avant-Garde. Et qui était la dernière du jeu d'ailleurs de Avant-Garde. On verra ça plus tard du coup. Là on a des choses à rattraper car 3 étoiles en normal c'est pas suffisant. Je rappelle qu'en normal il me faut minimum 4 étoiles si je veux pouvoir finir le jeu à 100%. Donc il faut qu'on la refasse quoi qu'il arrive. Je suis désolé pour ça. Mais voilà, ça fait partie du jeu les amis. Et vous connaissez Benoît, il veut se donner à fond pour finir toutes ses aventures le plus complètement possible. Alors c'est parti. Bien, donc déjà, on va essayer de valider un point d'atterrissage. Waouh, ce mec-là, il est badass au moins, il a une belle tenue. Est-ce que je peux passer la cinématique cette fois? Cette fois, nous allons frapper un grand coup. Non, je peux pas. Si on réussit, on sera peut-être rentré pour nous. Très étrange. Mais soyez attentifs. Des fois on peut, des fois on peut pas. L'opération Market Garden compte sur les troupes aéroportées pour sécuriser plusieurs ponts clés sur la route d'Arnhem. C'est un plan risqué. C'est le 17 septembre 1944, j'ai vu là-bas dans le fond. Le pont qui nous intéresse est un Imeg. Nous devons investir la ville, puis prendre cet ouvrage. Les Allemands préféreront le faire sauter que de nous le laisser. Aussi devrons-nous trouver et neutraliser leurs explosifs. Ah mais oui, on a vu la en carte. En dépit des bombardements alliés, ouais, c'est indiqué. L'ennemi conserve des blindés en état de marche. Tank secteur, de toutes les menaces du secteur. Câble, explosifs, radio, j'ai vu. Vous sauterez sur un secteur acquis aux forces de l'Axe. La prudence est de mise. Rompez. Bon. Eh bien, on va essayer de faire un premier point d'atterrissage. On va laisser celui du clocher tranquille pour le moment. Moi, je vous propose de viser dans un premier temps celui qui est près de la radio. Oui. Alors, au niveau des armes, j'ai débloqué pas mal de trucs, du coup, non? Ah, seulement la barre. Ah, ça veut dire que j'ai pas le droit de prendre genre le Panzer Shrek. D'accord. Ok, ça serait trop pété. Écoutez, on va prendre le Springfield avec lequel je vais devoir beaucoup jouer, les amis, parce que maintenant, on va devoir jouer précision. Et je n'aime pas jouer précision, mais bon, pas le choix. Allez, on vise minimum 60% de précision, ça va être très dur. Allez, let's go. On va tout donner et valider déjà au passage un point d'atterrissage, comme ça, on évoluera. T'as la tronche qui fait, lui. Pardon. Oh, je m'étire un grand coup. Voilà. Allez, j'espère que c'est la bonne. Qu'on aura au moins 4 étoiles, et si possible les 5. Moi, je dirais pas non à 5 étoiles. On a déjà vu le message, donc je le passe. Qui a la cote avec les filles? N'importe quoi. Ok, let's go! Ah oui, pour se retrouver. Ok, c'est bon. Je l'ai en visuel, le parachute. Vous le voyez? Est-ce que vous l'avez en visuel, vous aussi, les amis? Moi, je l'ai en visuel, je ne le quitte pas des yeux. Je ne le quitte pas des yeux. Ou j'espère qu'on va y arriver, parce que ça va être juste. Bon, en plus, j'ai vu qu'il y avait un Allemand juste à l'endroit où il y avait le parachute. Non, je l'ai loupé! Bon, pff, quel con! Oh, c'est chiant de devoir se retaper. Oh non, faut devoir se retaper toute la cinématique, ça veut dire. Parce qu'il faut que je fasse recommencer. Si je ne fais pas recommencer, ça va. Il y a le risque. Ah, j'aurais pas dû faire ça en fait. Je sais pas. Ah, mais il faut se retaper toute la cinématique, c'est chiant. Ils ont mal géré ça. Soldat avec moi. Mais non, mais. Cette fois, nous allons frapper. Pourquoi une fois j'ai pu passer la cinématique et là que j'y arrive plus? Il y a une touche que je comprends pas. L'opération Market Garden compte sur les troupes aéroportées pour sécuriser plusieurs ponts clés sur la route d'Arnhem. C'est un plan risqué, mais il ne saurait tolérer la moindre faille. Là, non, je peux pas. Non, on peut pas. Bon. Le pont qui nous intéresse est un Imeg. Nous devons investir la ville, puis prendre cet ouvrage. Les Allemands préféreront le faire sauter que de nous le laisser. Aussi devrons-nous trouver et neutraliser leurs explosifs. En dépit des bombardements alliés, l'ennemi conserve des blindés en état de marche. Débarrassez-nous de toutes les menaces du secteur. Vous sauterez sur un secteur acquis aux forces de l'Axe. La prudence est de mise.
Rompez. Ouais, rompez. Bon, déjà, je vais pas sauter trop vite de l'avion, parce que j'ai remarqué qu'il est un peu loin pour l'atterrissage, et pour mieux se placer, c'est mieux de prendre son temps. Allez, go. Oui, toujours la petite phase chiante, hein, celle-ci. J'aime pas non plus cette phase du jeu, c'est l'aspect du jeu qui me dérange. De devoir recommencer parce que t'as pas eu assez d'étoiles, parce que t'as pas été assez précis, ou alors parce que t'as loupé un point d'atterrissage pour recommencer tout, tu dois t'attraper une cinématique entière. Voilà, c'est un peu chiant, quoi. L'ouverture. Oh, il y a Soldat Uri qui m'a envoyé un message. Je le lirai après la vidéo. Pas trop vite. Maintenant. Voilà, là on est mieux mis déjà. Là on est plus proche. Allez, objectif, point d'atterrissage, plus précision. Donc du coup, je suppose qu'on peut atterrir sur tous les toits des bâtiments. C'est ça qui est génial. Je suis sûr qu'on peut le faire. Là, je veux pas le tester parce que je veux valider mon point d'atterrissage, mais je suis sûr qu'on peut. Laborieux, ouais. Ah non, je vais mourir comme ça. 1 sur 5 effectué et je suis mort. Ah ouais, ça ne rigole pas du tout. Ouais, limite que je garde pour le mode amateur celui-là en fait. On va retenter, hein. Attends, je vais tenter un truc. Mais non, j'ai tenté un atterrissage parfait. Mais arrête de me faire ça, toi! Mais qu'est-ce que tu veux que je survive dans ces conditions? Il a même pas été validé. Mais j'y comprends plus rien, ce jeu! Du coup, le problème, voyez-vous, c'est que je sais même pas s'il a été validé ou pas. Du coup, attendez, je vais recommencer et je vais faire un autre point d'atterrissage. De 1, parce que celui-là est beaucoup trop dur. Du coup, je le garde pour le mode amateur. Et de 2, parce que je sais même pas s'il est validé ou pas, en fait. Donc, je vais recommencer. Ouais, je suis désolé, c'est chiant, je sais bien. Et je vais en viser un autre plus simple. Je propose celui du balcon. Voilà. Celui-là me paraissait simple, mais je me rendais pas compte qu'il y avait un ennemi juste à cet endroit-là, quoi. Mais non, mais cinématique, je veux la passer, la cinématique! Si on réussit, on sera peut-être rentré pour Noël. Mais soyez attentifs. Merde! C'est un plan risqué. Mais il ne saurait tolérer la moindre faille. Le pont qui nous intéresse est à Nimeg. Nous devons investir la ville, puis prendre cet ouvrage. Les Allemands préféreront le faire sauter que de nous le laisser. Aussi devrons-nous trouver et neutraliser leurs explosifs. Je suis au courant. En dépit des bombardements alliés, l'ennemi conserve des blindés en état de marche. Débarrassez-nous de toutes les menaces du secteur. Vous sauterez sur un secteur acquis aux forces de l'Axe. Regardez. La prudence est de mise. Rompez. En haut à gauche, il est marqué que c'est une zone autorisée seulement aux yeux. Du coup, je peux pas y aller. Il faut marqué « Eyes only ». Donc là, c'est seulement pour les yeux. Voilà, ok. Pardon. Allez, let's go. Putain, je suis désolé. C'est chiant à faire. Pour moi aussi. Du coup, le balcon. Là, il faut sauter plus tôt. Heureusement, la cinématique dans l'avion n'est pas très longue ici, elle est assez courte. Qui a le plus la confiance de l'armée? Les Moraux! Qui a la cote avec les filles? Les Moraux! Qui est le cauchemar des prisonniers? Courage, les gars! Let's go! Vite repérer le balcon, vite repérer le balcon. Je l'ai, c'est bon.
Celui-là est beaucoup plus simple d'accès. On verra si ça mettra 2 sur 5 ou 1 sur 5. Si c'est 2, tant mieux. Hein. Moi, je gagne du temps. Hein. Diriger. Ah non, c'est seulement 1 sur 5, donc il faudra le refaire l'autre. Putain, fait chier. Hop là. Petit raccourci. Je m'incruse, détonateur détruit. Voilà, c'est con pour vous, hein, les gars. Hop là. Allez, maintenant on joue précision, les amis. On joue précision, hein. Putain, pour le moment, je suis pas précis du tout. Voilà, allez, go. On donne tout ce qu'on a. Ouah ! Ferme-la, toi ! Où tu sors ? Ah, on peut aller sur le toit, ici ? Je savais même pas, j'ai pas vu ça tout à l'heure. C'est tout nice. Merde, j'ai pas les grenades collantes par défaut. Ah, elles vont être chiantes à upgrade, alors. Tant pis, il va falloir le faire. Allez, on joue précision, les amis, hein. On vise un 60%. Si on a 60%, on peut être content. Allez. En tout cas, début de mission bien déroulé. Alors, je ne prends surtout pas les mitrailleuses fixes, ça c'est pour être complètement imprécis. Par contre, ça fait pas du bien, les gars. Une trousse, là, voilà. Alors, qui m'a mis aussi cher, là? C'est quoi ce délire? Mais what? C'est lui. Oh putain, il s'est envolé. Bien fait. Putain, il m'a mis cher. What? Il est même pas mort. Mais quoi? Mais je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe pas bien du tout. Attention à la grenade, voilà. Ok, il me faut des soins. Des soins, soins. Il faut que j'aille là-bas de toute façon. Pour la radio. Attendez, les gars, j'arrive parce que là je suis bloqué. J'arrive. On peut jouer avec la barre, mais il va falloir viser l'extrême précision. Hein. Comme je faisais avec l'MP40 sur Avalanche. Aïe, mais c'est quoi cette blague? Comment ça se fait que je prends autant cher? Pas la bonne strat, ça c'est pas possible, il y a un autre accès je crois. Ah oui, là il y avait une échelle, je me rappelle. Près de ce point de merde là. Je le garde pour le mode amateur celui-là parce que là c'est trop compliqué. Allez, là on est bien. Vise l'extrême précision. Voilà. Au moins j'ai été précis. Coup de croche peu. Oui, parfait. On ne gaspille pas de balle comme ça. Voilà. Allez, on y va. J'essaie d'aller un peu plus vite, hein. Étant donné qu'on a déjà fait la mission, qu'on la connaît. Pas que ce soit trop barbant. Mais là, vraiment, l'objectif, c'est précision, précision, précision.
tout cas, c'est un niveau vraiment qui me rend très nostalgique, en vrai. Il y a beaucoup de choses cultes qu'on retrouve dans ce niveau. Il bouge de trop. Ça va être dur d'être très précis. Très dur. Pas de munitions pour le moment. Est-ce que ça se voit que je suis concentré pour être très précis, les amis? C'est compliqué d'être précis, c'est pas mon point fort, la précision. Je suis fort pour survivre, mais pas pour être précis. Attention à notre vie. Ah merde, elle va pas se régénérer. Pas grave, pas grave, je sais que dans le clocher il y a plein de vie. Est-ce qu'on peut rentrer dans le clocher simplement par une porte? Pas par l'arrière en tout cas, il n'y a que par l'avant qu'on peut faire ça. Écoutez, je vais mettre là-haut, prendre mon snipe, faire quelques kills. Niveau précision, ça ne ferait pas trop mal. Donc ce point-ci, on le garde pour le mode expert. Boum! Ça c'est bien. Quoi? Des fois il meurt pas, je comprends pas pourquoi. Allez. Je sais pas si pour le moment je suis à 60% ou pas les amis, c'est assez compliqué à dire. Je fais de mon mieux en tout cas. Faut pas qu'il bouge trop. Faut attendre qu'il soit bien stable pour se les faire. Qu'est-ce qu'il va lui? Il fait un marathon là. Ils vont tous se réfugier là-dedans. Et nos alliés les poursuivent. Ok. Ils me visent. Bon, on a fait quelques petits kills, c'est sympa. Oh 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 oh. Il a eu, bien joué. Et il l'a eu aussi, ok. Bon. Le truc c'est que s'il me vole des ennemis, j'ai peur que ça influence mes stats aussi. Parfait, parce que là-bas il faut que je l'upgrade en plus, donc quand je joue avec, en faisant bien gaffe d'être bien précis avec. Putain, il s'est barré. Putain, c'est quoi ce délire? Headshot. Je sais pas si l'headshot ça va augmenter ma précision ou pas, mais. Bien joué. Cher ennemi, balancez-lui vos gamons. Il faut les gamons.
Ah, c'est ça les gamons, c'est des grenades collantes. D'accord. Je les ai pas encore. Voilà, ouf, il s'est cassé la gueule entre les bouts de bois. C'était magnifique. À toutes les unités aéroportées, l'ennemi s'est emparé d'un largage capital contenant des grenades Kamon. Récupérez le matériel. Oui, oui, oui. Ne t'inquiète pas, mon petit. Laisse-moi juste prendre mon temps pour être précis. Putain, il bouge tellement. Regardez-le. Mais what the fuck, quand tu veux que je sois précis avec un mec qui bouge comme ça. Waouh, regardez-le où il tire. Mais quelle fourberie. Mais faut bouger, traverse, faut bouger, traverse. Bouge ton cul, toi aussi. Hop là, un petit coup de crosse qui fait plaisir. Bien joué. Attention. Je fais vraiment mon mieux pour être précis les gens, c'est pas facile. Les grenades. On doit prendre ce patelin. Voilà, j'ai des grenades collantes. Ouais. Voilà. Le patelin est à nous. Viens, Travers. Il faut rejoindre les autres. Alors avant de rejoindre la zone, je vais m'assurer que tout le monde soit bien mort. Parce que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas eu toute ma précision. C'est parce que j'étais pas refouillé assez la zone avant de rejoindre mes alliés lors de cet objectif. Et je l'ai eu. Oh, il est pas mort, mais des fois je comprends pas le délire. Ok. J'ai été plutôt précis là sur cette phase de jeu, j'ai au moins 60% de précision, on est d'accord. Hein. Oui, mais je suis content qu'il y ait un saut de précision ici. Moi c'est pas le saut de précision que je veux, c'est le tir de précision. C'est pas pareil. En fait, ils ont repris le clocher, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça, en fait, instinctivement, j'aurais dû me dire putain, ils ont repris le clocher, il faut que je leur reprenne. Et je l'ai peut-être pas fait. C'est peut-être pour ça que j'ai pas eu mes 5 étoiles aussi. J'en ai que 3. Ça joue peut-être, en vrai.
Oh, magnifique le slow motion. Ah. Oh. Boum. Alors j'ai débloqué un rechargement accéléré, malheureusement ce n'est pas l'augmentation du chargeur. Mais ça a un lien avec le chargeur. Mais bon. Ah, il faut qu'on tue tout le monde. Pas d'exception. Je veux au moins 4 étoiles et si possible mes 5 étoiles. Je donne tout ce que je peux les amis. Je vais refouiller la map une deuxième fois, m'assurer que j'ai oublié personne. Ça n'a pas respawn. Par contre là-bas j'ai l'impression que ça a respawn. Juste voilà, derrière ce bâtiment là. Ouais, il y a du monde ici, j'ai bien fait de venir voir. Attention! Il est avec moi lui. Il est derrière lui mais il s'en bat les couilles, il tire pas dessus hein. Putain. Ça m'énerve quand je gaspille de la précision comme ça. Voilà. Combat de coups de poing, enfin des coups de crosse plutôt. Il y avait des de soins quelque part ici dans mes souvenirs. Il m'en faudrait une petite là. Là-dedans, je crois. À l'étage. Voilà. Bon, j'ai tué tout le monde ce coup-ci, non? Petit pont de Nîmes et que j'arrive après. Quand même refouiller un peu avant de rejoindre la zone. Je vais passer par là. Je veux m'assurer que tout le monde est bien mort. Qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est quoi ça? C'est des essuies. Et des serviettes pour les Français. En Belgique, une serviette ça n'existe pas. Enfin, si ça existe, mais c'est pas la même chose que vous. Enfin, si c'est la même chose aussi, mais pas vraiment. Enfin, nous on dit un essuie pour les trucs qu'on s'essuie quand on se trouve à douche. C'est une serviette. Voilà, vous voilà, avez compris. Vous voyez, si je tourne beaucoup en rond là, c'est ce que je charge vraiment pour voir si j'ai vraiment tué tous les ennemis partout, partout, partout. Voilà. Petit cri de guerre. Attendez, s'il n'y a pas une balle à grenade. Il en faudrait une pour avoir 10 grenades collantes. Au lieu de 6. Il me semble qu'il y en avait au tout début, non? C'est de la santé. Mais dans ce bâtiment-ci, il y en aura. De toute façon, il y aura le char, donc... ok. Bref, allez, c'est bon. J'ai tué tout le monde. De se cacher. Moi, c'est pas le tigre royal, c'est une fois heureux. Cette scène est horrible. Ah putain. Le mec qui a le moins de force au monde. Le mec est bloqué parce qu'il y a un mec couché sur lui. Enfin, je suis désolé, mais même moi qui n'ai pas de force, je sais que je serais capable de repousser un cadavre. Enfin, ça... quand même quoi, minimum. Je reprends mon stock de grenades et je l'achève avec une troisième. Hop là! Boum!
Ah, ça n'a pas suffi. Hey! On se calme, oui! Merde! Pas good! Le char a explosé. Je vais me soigner. Aïe, vite! Putain, c'est quoi tous ces dégâts qu'on fait? Le 13e corps d'armée arrive au pas de charge. Rassemblez-vous sur le pont de Nimeg, on vous recevra de nouvelles consignes. Et n'oublions pas qu'on doit jouer précision, les amis. C'est important. Il y a encore du monde, hein. Ah, quoique. Ils ont eu tout le monde. Je sais pas. Est-ce que mon micro est bien mis, au moins, les amis? Parce que depuis le début de la vidéo, j'ai pas fait vraiment gaffe. Un peu le rapprocher comme ça. Ouais, non, ça va, il est bien, je pense. On entend toujours bien, hein. Oui, 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 c'est bon. Je pense qu'on m'entend bien. Hein. C'est moi qui me fais. Ah, les fausses idées pour rien, mais what the fuck? Ok, c'est. Ils sont beaucoup plus vénères que lors de mon premier essai, j'ai l'impression. Là-bas, il y avait des trous, si je m'en rappelle. Eh oui, il faut bien mémoriser l'emplacement des trousses, c'est important pour votre survie. Olay. C'est compliqué d'être précis ici. Putain, j'étais pas dessus, sérieux. Ah, j'allais dire. Oh, vous abusez. La visée bouge tellement. Voilà. Voilà. Ah quoi, je l'ai pas eu. Voilà. Attention. Bah voilà, il est mort. Parfait le headshot. On va passer par là du coup. Boum, strike. Oh, magnifique. Putain de merde. Et putain. Arrête de bouger. Oh, oh, quoi, quoi, quoi? Ah, ok, c'est en dessous. C'est lui qui s'étouffe, là. Attention. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a pas un mec en dessous, là? Non, il est au-dessus, il est au-dessus. J'espère que ce que je fais là suffira à avoir au moins 4 étoiles, les amis. Sinon, je vais être dégoûté. La petite balle. C'est vrai que le rechargement est beaucoup plus rapide, on le sent quand même. Ok, dernière partie de la mission, les amis. J'ai quand même été plus rapide que la première fois. Hein. Je pense pas utiliser le Panzer Shrek lors de cet essai parce que je veux vraiment être précis. Et le Panzer Shrek est très imprécis, donc je vais jouer sniper, les amis. Ça me semble être l'idée. Ah le. Mon Dieu. À toutes les unités aéroportées, vous devez éliminer toutes les forces ennemies présentes sur le pont. Méfiez-vous des groupes. Cache-toi. Ça va être compliqué. Allez.
j'arrive pas à les toucher, c'est un truc de fou. Oh, putain, à un moment j'allais lui tirer dessus. Toi là-bas. Panzer Shrek. Mais on me pique tous mes ennemis. Ennemis, ouais, bien sûr. Pff, attention au trou là. Là, celui-là était pour moi. Celui-là, putain. Il me pique tous mes kills. Waouh, les roquettes, je les ai entendues passer là. Du coup. Kamikaze lui. Voilà, tiens, prends ça. Parfait. Putain. Bien joué. Allez, Bonouille, tu peux le faire. Parfait, merci d'être arrêté. Oh, ouf, il m'a fait peur lui. J'ai failli lui donner un coup de crosse par réflexe. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors les ennemis déjà paraissent moins cons que dans les anciens Medal of Honor où ils se suicidaient tous avec leur Panzer Shrek. Hein. Non, ici c'est réglé. Hein. Personne se suicide. Il est planqué, je les vois même pas. Ah si, là, il y en a un. Il a disparu. Ah non, il est. Ok. J'avais cru l'avoir vu disparaître d'un coup. Attention. Putain, attention. Remonte-toi. Putain, enfoiré. Ils font ça tous les deux. Ah, ça y est. Parfait. Il me visait complètement. Il est pas mort en plus. Voilà. En plein dans les coucougnettes. Waouh. Parfait. Bien attention. Et monte-toi. Oh, qu'il est chiant. Parfait. Oh, j'ai vu un cadavre volant. Charge réserve pour la fin. D'abord tuer tout le monde pour être sûr qu'il ne reste plus d'ennemis. Parce que j'ai remarqué que la quantité d'ennemis tués par contre a vraiment une influence sur les étoiles. Donc putain. Je gaspille de la précision. Ah, je suis pas sûr que j'ai mes 60% en vrai. Hein. Je vais lui en lancer une à lui. Deuxième. La
troisième attendra. Voilà. Attention. Montre-toi. Elle a sa jambe. Parfait. Attention. Parce qu'il y a deux étoiles sur la carte, c'est quoi ce délire? Prendre le pont, neutraliser le Chartigra. Bah ok, faut neutraliser le Chartigra pour prendre le pont de toute façon. T'as faim? C'est ça qu'il a dit? C'est bon! Et amélioration. J'en ai 13, non. Augmentation de la quantité. Et voilà. J'espère que ça suffit pour les 5 étoiles. Ou du moins, au moins 4. Sinon, là par contre, si je les ai pas, je suis vraiment frustré. Vraiment. J'ai pas envie de refaire tout ça encore en normal. Faut qu'on avance un peu. 7 septembre 1944. Ah la vache! C'était notre première mission en Durne. Et le bilan est malheureusement très lourd. Notre compagnie a bataillé ferme pour remplir tous ses objectifs. Et s'emparer du pont de Nimeg, ce qui permet le passage de nos blindés en route vers Arnhem, au nord. Le capitaine Campana m'a informé qu'au cours de l'engagement, le premier classe Boy Traverse s'était illustré par un sang-froid à toute épreuve. Cette qualité m'a incité à promouvoir Traverse au grade de caporal. Nous avons besoin d'hommes de cette trempe. Oh putain, comment les cinématiques sont peu fluides, c'est un truc de fou quand même. À mon avis, sur la version PC, c'est mieux. Allez, s'il vous plaît, 5 étoiles. S'il vous plaît. Yes! Ouh, ça rassure! Market Garden 5 étoiles en argent. Alors, ça fait mal au cœur de voir que pour Avalanche, j'ai pas eu les 5 étoiles d'or. J'en ai eu 4, mais c'est suffisant vraiment pour la fin du jeu. Et c'est moi ou. En fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que cette médaille-là, elle est colorée par rapport aux autres. Comme si elle, je l'avais débloquée. Sauf que bah, j'ai pas encore fini toute la mission, donc c'est pas possible que je l'ai. C'est bizarre. Bref, on va voir mes stats. Oh, ça va, j'ai quand même 68% de précision. Oh, nice, ben voilà. C'est ce que je voulais. Parfait. Et au niveau des insignes, où est-ce qu'on en est? Alors, ouais, le fusil sans recul, donc c'est le M18, il me manque une petite barrette. Par contre, je me rends compte d'un truc. C'est que dans la liste ici, il n'y a pas les grenades. C'est étonnant ça en vrai. Ah et c'est le Mauser. Donc c'est ni... donc c'est pas le Luger, ni le Paywalter, machin truc. Ok, donc j'étais pas vendu tout à l'heure. C'est le Mauser C96. Donc C96 pour les Français. Et le Panzer Shrek. Ah, et par contre ça va être compliqué le Panzer Shrek. Hein. Donc en fait les grenades ne sont pas considérées comme des armes. Ah ben nice. Bon j'essaierai quand même de l'upgrade si je peux, hein, mais bon c'est pas obligatoire apparemment. Je peux finir le jeu à 100% sans m'occuper des grenades forcément. Mais j'essaierai quand même si j'ai encore l'occasion. Par contre, Panzer Shrek, il faut le faire. Ça va être compliqué. Il faut terminer aussi avec le M18. Et le Mauser, je l'ai pas encore eu. Donc, faut attendre. Bien! Au moins, ce que je voulais faire est accompli. Eh bien écoutez, je pense qu'avec ça, on peut arrêter là cet épisode. Je pense que ça fait un bon épisode, tout ce qu'on a fait là. Il me semble. Du coup, ouais, prochain épisode, on a beaucoup de boulot encore sur cette mission, à vrai dire. Je voulais faire plus que ça aujourd'hui, finalement, je me suis laissé plus de boulot pour le prochain épisode. En espérant que ce ne sera pas autant la galère, sinon le prochain épisode risque d'être très long. Celui-ci dure un peu moins de 2 heures, donc c'est une bonne durée. Votre attention, plus tard. C'est une bonne durée, donc faudra voir, parce qu'il nous reste quand même pas mal de choses à faire pour le prochain épisode. On a encore 4 points d'atterrissage à valider. Le mode amateur et le mode expert. Donc dans tous les cas, il faut que je finisse la mission obligatoirement encore 2 fois. Minimum. Ouais, 2 fois minimum, tout dépend si pour le... En amateur, il faudra que je sois précis encore les amis, je serai obligé. En expert, on pourra se lâcher un peu plus. Parce qu'en expert, il faut minimum 3 étoiles, donc normalement, si je fais la mission correctement, j'ai d'office 3 étoiles il me semble. Donc voilà. Pour le mode expert, on pourra jouer un peu comme on veut. Le but, ce sera simplement de survivre et de pas crever. Ce sera déjà un bon challenge. Et pour le mode amateur, il faudra essayer d'être précis encore une fois. Et surtout, en mode amateur, on va à chaque fois qu'on a validé un point d'atterrissage et qu'on atteindra un point de contrôle, on recommencera la mission afin de pouvoir valider à la chaîne
les différents points d'atterrissage pour qu'on arrive déjà à 4 sur 5 et que je laisse le cinquième pour le mode expert qui sera donc celui au sommet du clocher. Voilà, vous connaissez donc le menu du prochain épisode les amis. J'espère que vous êtes chaud. Donc voilà, Market Garden en normal, c'est validé. Bonne mission, j'aime bien. Ça fait du bizarre de voir le pont de Nimeg sous cet angle. Quand on voit la manière dont on l'aborde dans En Première Ligne, c'est complètement différent. Sur En Première Ligne, c'est plus furtif. On est solo. On va sous le pont pour enlever les explosifs. C'est de la nuit, il y a du brouillard, c'est calme. Il n'y a pas de char. Voilà, il n'y a vraiment rien de pareil. C'est un truc de fou. Vraiment. À mon avis, là, ce qui se passe, c'est que... on passe après le passage de Patterson, voyez-vous. Patterson, il est passé avant, il a fait le boulot, et du coup, il a dégagé un peu la voie pour que les paras puissent faire le reste du travail par la suite. C'est sûrement ça, parce que c'est bizarre si c'est exactement la même mission, parce qu'il n'y a rien de pareil, en fait. Donc, c'est un peu chelou. Voilà. Bref, prochaine fois, on ira en amateur, valider tous les points d'atterrissage et essayer de finir la mission obligatoirement, cette fois-ci, en 5 étoiles de bronze. Et une fois que ça sera fait, le dernier point d'atterrissage, on le fera en mode expert et on terminera la mission avec au moins 3 étoiles d'or. L'objectif du mode expert, ce sera simplement pour moi de finir la mission sans mourir. Ce sera déjà un bel exploit. Et puis après, dans les autres épisodes encore plus tard, on devra attaquer la mission Varsity. Voilà, donc on a encore 2 missions à découvrir par la suite. J'espère que vous êtes chaud. Moi, j'aime bien le jeu, franchement. Il a ses petits défauts, mais il a quand même des bonnes qualités. Donc ça, je vais pas le cacher. Il a des très bonnes qualités. Dommage pour ses petits défauts. Voilà, j'en tiens compte, et oui. Car n'oubliez pas que quand j'aurai fini de tester tous les Medal of Honor en vidéo, je ferai une vidéo un peu rétrospective où je donnerai un peu mon avis sur tous les Medal of Honor, où je noterai... enfin, que je les classerai un peu du moins bon au meilleur, avec des arguments, tout ça. Une petite rétrospective, parce que l'air de rien, ça fait plus de 3 ans, donc ça mérite une belle rétrospective. Surtout que c'est pas encore fini, car je rappelle qu'après ce Medal of Honor, si, il en reste encore 2 que je dois tester. Donc c'est pas fini, les amis, notre aventure sur les Medal of Honor. Eh non, même si c'est vrai que les 2 derniers Medal of Honor sont très différents, je le sais bien, et que parmi certains des grands fans de Medal of Honor, eh ben, ils sont pas vraiment appréciés. Mais je veux quand même les tester car c'est mon but de tester tous les Medal of Honor. Et vu que je ne les connais pas du tout, ben, je pourrai les découvrir et avoir mon mot à dire lorsque je testerai. Mais avant ça, il faut terminer ce Medal of Honor. Eh oui. Voilà, bref, merci à vous d'avoir regardé ce 7e épisode. J'espère qu'il ne va pas bugger comme le 6e pour au niveau de la qualité. Je surveillerai, je prendrai des précautions. Enfin, je ne vais pas prendre de précautions, en fait, c'est le hasard, c'est YouTube qui décide. Donc... si le lendemain de la publication, il n'y a pas de problème, normalement c'est bon, ok? S'il y a des problèmes, signale-le moi vite. Et je supprimerai la vidéo, je remettrai un petit filtre sombre comme l'autre épisode d'avant. Et j'espère que ça passera, voilà. Bref, un grand merci en tout cas d'avoir regardé ce 7e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pas de mort aujourd'hui! Et ouais, je suis pas mort une seule fois dans cet épisode, je suis content. J'espère qu'on pourra en dire d'autant plus quand je ferai le mode expert, voilà. Allez, en tout cas, un grand merci, et moi je vous dis à très bientôt donc, pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas qu'il se peut fortement que dans les jours à venir, il y a un peu moins de vidéos, tout simplement parce que je vais entrer en seconde session d'examen, et donc c'est parfaitement normal si j'ai un petit peu moins de temps pour les vidéos, il faut quand même que je me concentre un peu sur mes examens. Et puis aussi, j'ai également envie d'un peu faire des vidéos aussi sur Univers Dragon, car pour le moment, je fais pas beaucoup de vidéos sur cette chaîne-là, et je vais un petit peu l'animer aussi, car quand même, il y a quand même plus de 9100 abonnés sur cette chaîne-là, voilà, c'est incroyable, et je vous en remercie si vous y êtes abonné d'ailleurs, c'est juste génial. Cette chaîne-ci a dépassé les 1100 abonnés, j'en suis déjà hyper content, mais alors 9100 sur l'autre, c'est incroyable. Avec 9100, j'ai l'impression d'être une star, quoi. Alors je le suis pas du tout, mais j'ai l'impression, c'est ce sentiment incroyable. J'ai rassemblé une grosse communauté de fans de dragons sur cette chaîne-là, et ça fait tellement du bien de voir cette communauté s'épanouir à travers les vidéos. C'est génial. Et du coup, lorsqu'on aura atteint les 10 000 abonnés de cette chaîne-là, oh, je vous prévois un bel événement qu'on pourra partager ensemble. C'est un truc que j'ai vraiment envie de faire, de tester une expérience. Justement, ce qui m'intéresse, c'est de tester justement le partage avec la communauté, l'interaction avec la communauté. C'est vraiment lors des 10 000 abonnés que je pourrais vraiment vous tester et voir si je peux vraiment compter sur votre fiabilité, sur votre fidélité. Plutôt fidélité que je voulais dire, ouais. Voilà. Et sur cette chaîne-ci, bah, on continue d'évoluer petit à petit avec nos petits gameplays, nos petits let's play. J'espère que ça vous fait plaisir quand même parce que j'y tiens fort, voilà. Bref, un grand merci. Et moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt donc pour de prochaines vidéos. Allez, ciao les amis!